Québec et à traverser toute l'Espagne et toute la France sans prendre une heure de repos. L'escadre de l'amiral Villeneuve s'est embossée à Cadix où elle est restée ancrée par peur de Nelson. Qu'est-ce que vous dites, Daru? Ce genre de foutre de Villeneuve est à Cadix! Où il va être bloqué naturellement. Quelle marine! Quel amiral! Ça n'a pas de nom. Misérable! Il sacrifierait tout pourvu qu'il sauve sa peau! Mais qu'est-ce que je peux bien foutre? Avec des choses comme ça! 2 ans de préparatifs! 150 000 hommes immobilisés! Tous ces sacrifices! Inutiles! Un Cadix! Quand on le guette à la lunette! Un poulet! Eh bien, puisqu'il faut y renoncer. Nous entendrons la messe de minuit à Vienne. Berthier et Québé. Mes 150 000 hommes, cantonnés de Brest à Ambleteuse, vont partir immédiatement. Ils vont, dans le plus grand secret, traverser la France et l'Allemagne. En 3 semaines, en direction de Vienne. Mais il y a 500 lieues à pied. Oui. Oui. Dessoulés. Dessoulez-les, occupez-vous de ça tout de suite, Daru. Portez la plus grande attention à ce que je dis. Les forces du Hanovre, avec Marmont, rejoindront Würzburg le 29 septembre. Derrière Ulm, vous, solides, arriverez sur le Rhin le 24 septembre, avec vos 40 000 hommes, précédés par les 22 000 chevaux de la cavalerie de Murat. Vous y trouverez les 20 000 hommes de Davout. Les 18 000 de Lannes, les 24 000 de Ney, les 14 000 d'Augereau, avec ma garde impériale et ma personne. Foyoul, la carte d'Ulm. Nous appellerons désormais l'ensemble de nos formations la Grande Armée. Départ pour Paris dans 1 heure.